Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Affen & Co, la collégiale de l'Affen. C'est le numéro 74 et aujourd'hui on a la chance d'avoir Magali Rofidal qui est déléguée générale de EdTech Lyon. Et donc on va parler avec elle de l'EdTech sur un territoire dynamique qui est celui de la région lyonnaise. Et pour cela on a la chance d'avoir Manal qui va poser toutes les questions qu'on a toujours rêvé de poser sur ce sujet. Manal, bonsoir. Bonsoir, merci Stéphane, merci à Magali d'être là avec nous et de nous faire découvrir l'EdTech Lyon. Et donc pour commencer là-dessus, si on voulait découvrir l'EdTech, comment ça a commencé son histoire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben bonsoir tout d'abord à tous les deux et merci de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous pour vous raconter tout ça. EdTech Lyon, c'est une histoire assez récente et paradoxalement plutôt ancienne. Récente parce que la structure existe depuis un peu moins d'un an. C'est une structure associative qui est née en avril 2019. D'accord. Donc vraiment, voilà, on va fêter nous un an bientôt. Et pour autant, ça s'inscrit dans une histoire ancienne parce que quand on parle de EdTech, on parle évidemment de numérique éducatif, de digital learning, et le territoire de Lyon et sa grande région ne sont pas les derniers à avoir accompagné, soutenu, développé ces questions autour du numérique et des solutions qui soutiennent et facilitent les apprentissages, que ce soit à travers des événements forts comme le Serious Game Expo, par exemple, qui était à Lyon pendant de très nombreuses années. Qui maintenant a fermé ses portes. Alors, qui maintenant, oui, depuis longtemps déjà, je pense que la dernière édition, elle doit dater d'il y a 6 ou 7 ans. Ça ne nous rajeunit pas, mais cet événement a vraiment été l'occasion aussi de faciliter les rencontres entre l'innovation et les acteurs de la formation. Cet événement a été opéré par un acteur qui, précédemment avant l'histoire de EdTech Lyon, fédérait déjà des entreprises du numérique et des outils de narration au service des apprentissages, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit de la narration en animation, qui s'appelait Imaginov et qui était un pôle de compétitivité qui avait pour mission de soutenir l'innovation en faisant se rencontrer entreprises et laboratoires de recherche. Et donc, dans ce segment-là d'Imaginov, sont nés un certain nombre et ont grandi un certain nombre d'entreprises qui ont maillé technologie, analyse des data, analyse des traces, mesure de performance d'apprentissage à travers donc, des solutions qui étaient soit gamifiées, soit des solutions plus scénarisées. Et ça a amené tout doucement aussi avec le développement du mobile à des solutions plus nomades. Ce territoire, il est quand même depuis longtemps habitué à faire émerger des solutions un peu différentes pour apprendre. Et qui a eu l'idée de créer justement EdTech Lyon, donc de resservir le couvert? Eh bien, EdTech Lyon est né entre 5 entreprises qui étaient soit sur le champ de la formation continue, soit plutôt à adresser les enjeux de l'enseignement en secondaire ou en supérieur. 5 entreprises qui sont Woonos, lelivrescolaire.fr, DigiSchool, SpiderNet et puis une start-up qui s'appelait Cube. Et ces 5 entreprises-là, ont eu envie de créer un espace, une organisation professionnelle qui dépasse le champ de l'entreprise et qui permette aux entreprises et aux startups qui sont dans le champ des EdTech de pouvoir partager leur travail et leurs réflexions avec des acteurs de terrain et avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. L'idée de EdTech Lyon, c'est vraiment de créer cette organisation qui soit la plus complémentaire entre ceux qui développent, conçoivent des solutions innovantes pour soutenir les apprentissages, et puis ceux qui les utilisent ou qui les prescrivent. Et là, on va retrouver des établissements d'enseignement supérieurs, secondaires. On va trouver des acteurs comme Pôle emploi, qui a besoin de trouver des façons innovantes et performantes pour aller former des personnes qui sont éloignées de l'emploi et géographiquement parfois distantes.
On peut retrouver des OPCO, alors avec lesquels on est en train de travailler également, qui, notamment avec cette question de la réforme de la formation professionnelle, jouent un rôle un peu différent aujourd'hui. On va sans doute revenir sur les enjeux de la réforme d'ailleurs. Et puis, on trouve aussi. Avant de rentrer dans le rôle de chacun, quel positionnement EdTech Lyon a par rapport à EdTech France ? Bon, bah alors, on est partenaire. C'est des gens qu'on connaît depuis, qui nous ont vus naître avec voilà, beaucoup de bienveillance. Il devait avoir un an de plus, c'est tout. Oui, c'est ça. On a quelques mois d'écart. On est un peu comme des jumeaux qui sont nés avec quelques heures de décalage. on fonctionne pas tout à fait de la même manière, mais on porte les mêmes ambitions qui sont de soutenir l'innovation au service des apprentissages. Et puis le troisième acteur important qui fait partie de EdTech Lyon, ce sont les laboratoires de recherche. Il y a des vrais enjeux à travailler avec eux parce qu'ils portent des expertises en neurosciences, en sciences cognitives, sur des questions aussi qui sont beaucoup plus techniques, comme les enjeux d'intelligence artificielle et traitement de data, d'interface, et puis tout ce qui est sciences de l'éducation, relation à l'apprenant avec des écrans. Et ces chercheurs nous intéressent énormément parce que le monde des sciences humaines et sociales n'a pas toujours été forcément beaucoup valorisé dans le champ de l'innovation en France. Et on avait vraiment envie d'aller travailler avec ceux qui sont déjà en lien avec des acteurs terrain pour conduire ensemble une réflexion qui permette d'avoir des solutions qui soient offertes au plus grand nombre sur les questions de formation et d'apprentissage. Alors, voilà. Il s'agit que de réunir des talents existants ou des entreprises qui sont dans l'EdTech peuvent adhérer? Ah, bien sûr. Et s'ils adhèrent, qu'est-ce qu'ils ont en adhérant? Alors, aujourd'hui, EdTech Lyon, c'est 50 membres adhérents. Dans ces 50 membres adhérents, il y a 37 entreprises qui sont des startups ou des entreprises dans le champ des EdTech. Et puis, le reste se distribue sur ce que je vous présentais juste avant, des laboratoires de recherche, des acteurs terrain. L'idée, c'est de permettre à l'ensemble de ces acteurs-là d'apprendre les uns des autres. C'est une communauté apprenante, EdTech Lyon, avec une vraie volonté de... D'abord avec quelques piliers fondateurs en termes de valeurs qui sont le partage et puis la bienveillance et la volonté aussi de développer des solutions qui soient, que l'on nomme aujourd'hui Tech for Good, qui sont au service des citoyens et qui soient respectueuses d'un certain nombre de règles éthiques et déontologiques. Et donc, vous réunissez autour de Happy Hour, autour de séminaires. Les membres adhérents contribuent beaucoup à porter de l'animation, puisque à tour de rôle, ils organisent tous les mois une matinale qui donne l'occasion à chacun de présenter ses expertises, sa compréhension des enjeux dans ces transformations que le numérique amène dans les questions de formation et d'apprentissage, les enjeux marchés. Chacun vient en présentant sa compréhension et son savoir-faire, ce qui permet finalement au reste de la communauté de baigner dans un champ d'innovation qui n'est pas forcément le sien, mais qui lui permet de décoder, comprendre et trouver des sources d'innovation. Alors, il y a des partenariats qui se font aussi. Et puis, il y a un deuxième outil qui va bientôt voir le jour. Pour rester sur ce premier outil, oui. Est-ce que les responsables de formation de la région peuvent venir à ces manifestations ou c'est uniquement autour des membres? Alors, les matinales sont vraiment dédiées aux membres de EdTech Lyon. Dans les statuts de EdTech Lyon, il y a la possibilité pour des professionnels de venir en tant que personne physique s'ils ont envie justement de rencontrer des acteurs de l'innovation, s'ils ont envie eux aussi de contribuer en remontant des thématiques ou des problématiques qu'ils rencontrent. L'idée, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des acteurs terrain et les responsables formation, comme les responsables pédagogiques, comme les enseignants, ont tout à fait leur place au sein de EdTech Lyon et on serait ravis de pouvoir avoir des remontées de contraintes ou de retours d'expérience, clairement.
Pour mieux comprendre un peu concrètement l'apport de ces alliances qui sont en train de se construire maintenant depuis plus d'un an, donc il y a les rencontres que vous venez de citer, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples pour un peu faire percevoir ce que, par exemple, de futurs adhérents peuvent toucher en adhérant à l'association? Est-ce qu'il y a d'autres choses à part les rencontres? Est-ce qu'il y a des projets peut-être qui se construisent? Alors, Comment ça se passe? il y a d'autres outils qui sont en train d'être mis en place. Le D'accord. deuxième, ce sont des déjeuners de co-développement. Alors, D'accord. je pense que dans le monde de la formation, on connaît bien la performance que le co-développement peut apporter pour venir dans une intelligence collective résoudre ensemble la difficulté qu'une personne rencontre. Et l'idée, c'est de continuer dans cette logique-là, de dire ben, ensemble, on apprend. Avec ces temps, ces déjeuners de co-développement qui vont s'installer à partir. Alors, normalement, ça devait être à partir d'avril. Voilà, bon, ben, c'est un peu décalé. On va, par l'intermédiaire du numérique, compenser ça en créant des temps d'échange et de partage. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir déjeuné avec un animateur spécialisé en co-développement qui vient accompagner un groupe pendant quelques séances. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est la capacité à mobiliser des experts dans le réseau. Et là, pour le coup, individuellement, plutôt en one-to-one, se dire, ben, je suis confrontée à une difficulté, quelle qu'elle soit, technique, avec un LMS, pédagogique, sur une narration un peu compliquée, ou des outils, ou une problématique plutôt business, ou une problématique quelle qu'elle soit, et ben je peux aller chercher un expert dans le réseau. Je l'aide à identifier l'expert qui va être à la disposition donc de l'adhérent, et puis ensemble, ils voient comment ils s'organisent en toute intelligence. Ces trois outils-là, du collectif jusqu'à l'individuel, sont quasiment des espaces de formation, en fait, dans le sens où quand on pense au EdTech, on va penser à des solutions qui sont évidemment innovantes, donc qui vont être très pointues, de traitement de data, de réalité virtuelle, d'utilisation de micro-learning avec des mobiles, des réflexions sur du traitement et de l'individualisation de formation avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, chacun a ses expertises et c'est vraiment intéressant de, sans vouloir se dévoyer dans sa mission première, de comprendre l'ensemble de l'écosystème parce qu'on assiste à effectivement, et alors là, sous contrainte de confinement encore plus, au levier que le numérique apporte quand il s'agit d'apprendre et de bâtir. Alors, il est 20h, donc Il est 20h. il est Donc, 20h, c'est l'heure. effectivement, donc les gens Donc, applaudissent. c'est du direct. Absolument. C'est normal. Donc, on Donc comprend les gens. ça monte la liesse. Ce n'était pas pour nous, malheureusement, mais bon, Voilà, donc voilà. c'était en plus un bon raccord avec le contexte que je présentais, qui est effectivement Exactement. que. D'accord. Voilà. Mais en rebondissant justement sur ce contexte et aussi sur le contexte des réformes qui ont toujours leur impact, quelles sont, à votre avis, les tendances, les solutions qui peuvent s'offrir aux gens dans, pour faire face, que ce soit au niveau des réformes ou que ce soit, par exemple, je ne sais pas, le nouveau confinement ou autres tendances qui ont été marquées, notées par EdTech Lyon. Alors, sur le champ de la formation continue, parce qu'on va peut-être plutôt s'intéresser à ça que de parler des enjeux du numérique éducatif, même si ça vous intéresse, on peut revenir dessus. Dans le champ de la formation continue, on identifie un certain nombre d'axes. Alors, je les ai rapidement évoqués d'ailleurs à l'instant. Je pense qu'il y a au moins trois grands sujets qui vont amener à transformer un certain nombre d'outils de formation et qui vont permettre d'ailleurs de passer des questions de formation plutôt à des questions de développement de compétences. C'est la question des data et la capacité qu'on peut avoir aujourd'hui à, en ajoutant de l'algorithme à ces fameuses données, et je ne veux pas parler forcément de gros systèmes d'intelligence artificielle, mais juste du traitement correct d'informations et de data, qui peuvent permettre d'individualiser des formations, d'individualiser des parcours, de mieux tracer les compétences qui sont acquises et de mieux cibler les difficultés ou les faiblesses à acquérir certaines autres compétences et à travailler de façon individualisée pour renforcer certains apprentissages
et ne pas arriver avec des formats qui soient standards et que l'on applique massivement, même si c'est à un groupe de 6 ou 7 personnes, parce qu'on a toujours 6 ou 7 personnes très différentes en face de soi. Est-ce que sur les data, vous avez des exemples de personnes qui font des choses? Alors, ce n'est pas forcément big data, mais tout ce qui est small data peut amener du big data. Ce n'est pas très éloigné. Et le gros avantage, c'est que ça amène une scalabilité. Ouais. C'est quand on a trouvé son modèle, on peut le déployer, devenir et de prendre une dimension mondiale, pour peu que le modèle fonctionne bien. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples d'organisation? Par exemple, une solution qui est aujourd'hui plutôt bien déployée et plutôt bien connue du grand public, des parents et des élèves, c'est le projet Voltaire. Le projet Voltaire qui permet de travailler, renforcer ses compétences en français et qui permet aussi de certifier le niveau. La société qui développe le projet Voltaire, qui s'appelle Wunos, a mis en place des dispositifs qui utilisent justement ces mesures de données et l'ajustement des typologies d'exercices en fonction des difficultés ou des freins que certains peuvent avoir pour acquérir certaines règles de grammaire ou d'orthographe, en présentant du contenu qui est réellement individualisé par rapport à l'apprenant. Donc ça c'est effectivement un exemple. Ce qui est intéressant aussi sans doute par rapport aux données, c'est de réfléchir à l'impact sur l'évaluation et sur comment est-ce qu'on peut, deuxième sujet dont on parle tous de plus en plus, je pense que de tout ce que je vais vous raconter, il n'y a aucun scoop, hein, dommage, mais c'est parce c'est pas grave, on te réinvitera. C'est gentil, merci Stéphane. C'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Où on arrive aujourd'hui à un certain niveau de démocratisation en termes d'équipement, à une certaine maturité de logiciels et de soft pour produire du contenu soi-même, pour pouvoir plus facilement scénariser aussi du contenu en réalité virtuelle et redonner la main sans forcément devoir à chaque fois en one shot refaire construire tout un contenu pédagogique à une tierce structure, mais doter les entreprises de solutions pour qu'elles-mêmes puissent développer leur solution de formation. Il y a sur Lyon un showroom, comme par exemple sur Paris, il existe France Pédagogie Immersive, il existe le Pavillon. Est-ce qu'il existe ce type de solution pour des entreprises qui seraient intéressées? Non. Il existe EdTech Lyon qui vous identifie facilement tous les acteurs en réalité virtuelle. Et après, on peut les visiter, faire une learning expedition. Ouais, exactement. Non, mais tout à fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace qui ont été dédiés pour mettre en démonstration des outils de réalité virtuelle. Donc, si on vous appelle, vous faites, vous aidez, vous accompagnez pour… Oui, bien sûr. Très bien. Évidemment. Il y avait un troisième point, pardon. J'ai coupé ton raisonnement. Oui, le troisième point. Alors, la VR, du coup, je vous explique pas pourquoi c'est si efficace que ça en formation, hein, mais c'est vrai qu'il y a un vrai… Il y a un vrai champ de potentiel. Et puis, on verra ce que les pronostics de marché nous donnent. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas des belles promesses qui sont annoncées en termes de déploiement. Et puis, ça, c'est plus une réflexion personnelle que j'assume pleinement. Mais si je réfléchis aux grands intérêts et aux grands développements potentiels autour de la techno et de la formation… il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la question de réseau, qui est de dire finalement comment est-ce que, et c'est peut-être parce qu'on le fait au sein de EdTech Lyon physiquement et de manière digitale, mais qui est de se dire on peut aussi beaucoup apprendre entre pairs. On est dans une période où on va avoir énormément de mutations dans nos industries, beaucoup de métiers qui vont évoluer et très rapidement. Et ça me semble extrêmement intéressant de pouvoir capitaliser sur les expertises des uns au sein d'une structure pour en faire bénéficier les autres. Et on a peu de pratiques encore. Enfin, il y a beaucoup de structures qui essayent d'être agiles, intelligentes, apprenantes. Et aujourd'hui, on a une maturité des outils qui permet de plus facilement identifier un expert dans une entreprise et le mettre en passeur d'expérience
ça fait pas de lui un formateur. Ça nécessite quand même qu'il y ait une couche évidemment d'ingénierie pédagogique qui l'accompagne, mais je trouve à la fois extrêmement passionnant, donc ça rend une structure plus agile, puis ça valorise aussi les expertises au sein des organisations, et les formations entre pairs me semblent extrêmement intéressantes. La grosse difficulté dans les entreprises, c'est que c'est un changement culturel. C'est-à-dire, quand on fait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, on prend des experts qui programment quelque chose, c'est contrôlé, on a la main sur l'offre. Donc ça, c'est traditionnel, on est content. Sauf que quand on laisse aux experts la liberté de s'exprimer, les entreprises en font peur de perdre le contrôle, alors qu'avec un bon animateur, on arrive à faire des choses extraordinaires. Mmh. Et justement, pour des gens qui se lancent dans la production de formation, d'abord, ça ne coûte pas, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc ça permet très rapidement de prendre une taille importante. Et c'est très scalable en intra comme en inter. Et ça permet de faire de très, très belles choses, avec bien sûr de la compétence, de l'expérience, etc. Et donc, c'est un très, très beau projet. Au contraire, je trouve que ça vaut la peine de le déployer. Et ça fait défaut, mais toute la logique qui est derrière, c'est que ça met en lumière l'apprenant plus que l'entreprise. Et c'est ça qui souvent pose question. Oui. Ah, mais c'est pour ça que c'est nécessaire de l'encadrer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des solutions qui soient, y compris dans... Il y a beaucoup d'entreprises qui voient effectivement leurs experts prendre la parole assez librement sur YouTube. Et effectivement, il y a des choses qui leur échappent. Donc, c'est important et extrêmement valorisant de reprendre la main là-dessus en l'encadrant. Donc, Et si on rajoute ça avec le premier point sur l'analyse de la data, on a une logique à la fois des compétences, des talents, etc. Et il y a tout un travail qui fait qu'on repense l'entreprise différemment. Exactement. Ah ouais. Et puis, je pense que ça la rend aussi beaucoup plus agile pour accompagner toutes les transformations métiers qui sont les siennes. Et ça induit, alors comme souvent quand le numérique arrive dans un secteur ou dans une organisation, ça induit aussi des comportements différents en termes de... posture dans l'organisation, d'investissement, de quand on se sent valorisé dans ce que l'on incarne, on se sent plus partie prenante aussi, donc plus investi, plus engagé. Et puis de toute façon, on assiste. Est-ce que tu penses que le confinement change les comportements avec le social learning, les usages? Écoute. Je suis bien embêtée pour te répondre. Je pense que ce que ça va changer, c'est notre rapport au travail. Compte tenu du fait qu'on va rester confiné plus longtemps que les 2 semaines qui nous étaient annoncées, je pense qu'on va forcément tous ressortir complètement transformés de cette expérience-là qui va nous avoir permis, pour ceux qui sont en télétravail en tout cas, d'expérimenter la solidité du travail à distance. Et je sais qu'il y a déjà des entreprises, alors je le vois chez mes adhérents, qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour créer les temps de rencontre, le balcon virtuel pour aller fumer sa cigarette, le temps de pause pour partager son café ensemble. Par contre... alors après, effectivement, si on réussit à repenser notre engagement par rapport au travail en mesurant qu'en étant à distance, on est capable de s'investir aussi, tout en étant encore beaucoup accompagné par la structure, parce que ça, je pense que c'est absolument indispensable, ça peut redonner confiance aussi dans la capacité à mettre en place des dispositifs de formation distancielle. Et j'ai oublié ta question. Est-ce que tu penses que le confinement va amener des changements dans les comportements? Donc, tu as répondu pour ça. Une partie. Ok. Oui. Mais est-ce que justement, il y a des solutions qui vous viennent en tête pour des astuces ou des innovations pour que les gens ou les responsables de formation en montant des projets au sein d'entreprise, justement, attirent les gens à distance? Donc, il y a une contradiction, on n'est pas à côté, mais en même temps, on veut motiver les gens, on veut les adhérer, par exemple, à une formation. Est-ce qu'il y a des petites astuces ou des innovations, des solutions récentes qui pourrait être partagé aujourd'hui? Je suis obligée de citer quelques adhérents. Alors, tous ceux que je ne vais pas citer vont m'en vouloir terriblement ce soir. Pardon par avance. Il y a une jeune start-up qui s'appelle Incollab qui travaille justement sur
le lien et les enjeux de management en disant ben, on ne peut pas être un bon manager si on n'a pas aussi des collaborateurs qui sont conscients de leur rôle à jouer dans l'équipe. Et donc, il y a vraiment un enjeu de collaboration important à développer pour créer des meilleures synergies de travail et des organisations plus performantes. Et justement, leur méthode était à la fois d'avoir du présentiel et de faire des suivis à distance. Avec le confinement, ils sont en train de repenser leur offre pour qu'elle soit, si ce n'est en tout cas pour toujours, en tout cas pour le temps du confinement, une offre qui soit complètement online et qui justement ramène, recentre la problématique sur le groupe, le télétravail et continuer à faire corps parce que ça soit pour se former ou que ça soit pour au quotidien, se sentir engagée dans les problématiques des projets sur lesquels j'interviens, me sentir en soutien à distance auprès de quelqu'un qui rencontre une difficulté dans l'organisation de son travail. En fait, c'est les mêmes leviers, c'est l'engagement que je vais avoir. Et les questions d'engagement, elles sont fortes en formation, mais elles sont fortes aussi au quotidien dans son travail et la distance peut donner ce sentiment qu'on se désengage de son travail. Or, en fait, tous ceux qui ont expérimenté le télétravail avant qu'on rentre en confinement vous disent qu'au contraire, ils se rendent compte que quand les gens sont en télétravail, ils surinvestissent encore plus leurs tâches, comme s'ils étaient... S'il était absolument nécessaire, alors je ne sais pas quels sont les motifs des uns et des autres, mais comme s'il était absolument nécessaire de démontrer que je suis loin, mais regardez, j'y suis, hein, je livre, je fais ce que j'ai à faire. Et donc, c'est une question réellement de se dire comment je me sens engagée dans ce que j'ai à faire, et que ça soit pour travailler ou pour se former. Et justement, quand on voit les propositions, on s'aperçoit que des outils sont très gratuits d'abord, sont très faciles d'accès, et puis surtout il y a de tout nouveaux outils avec le confinement, et on voit Instagram qui vient de lancer justement des choses très intéressantes où on peut mettre comme sur PowerPoint, on peut mettre des images qu'on commente à plusieurs autour du réseau avec du visuel, on peut avoir ce que WhatsApp faisait déjà, donc il y a plein d'outils. L'outil ne fait pas la formation, mais ça permet justement de le porter. Et s'il y a des gens qui s'approprient ça, des petites structures peuvent faire de très très belles choses, et des grosses structures, bien sûr, peuvent industrialiser. Donc, on parlait de l'écosystème aussi. Dans l'écosystème régional, qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui manque? Les startups dans les tech, des startups qui soient plus importantes, des licornes, des financements? Alors, il y a deux marchés très différents. Hein. Il y a le marché de la formation continue, et puis il y a le marché autour des enjeux liés à l'enseignement. Ces deux marchés très différents qui subissent tous les deux des transformations très profondes. Le premier avec la réforme, le deuxième parce que, alors là, pour le coup, pris de court, ils avaient commencé au niveau de l'éducation nationale à mettre en place un certain nombre de chantiers autour du numérique. Ce qui manque aujourd'hui, alors j'ai commencé par les forces qu'on a, je pense qu'on a énormément d'idées, beaucoup de start-up, beaucoup d'innovation et beaucoup de maturité d'outils et des usages qui sont aujourd'hui, des utilisateurs qui sont aujourd'hui en phase avec un potentiel d'usage vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à expérimenter des choses, à se sentir surpris par des nouveaux dispositifs. Ce qui manque aujourd'hui, c'est du financement. On sait que beaucoup de startups sont évidemment gourmandes d'investissement et de levée de fonds. Ce sont des marchés qui sont moins certains que d'autres et sur lesquels les investissements sont un peu plus compliqués. Et pour autant, il y a un gros enjeu qui est quand même un enjeu de souveraineté nationale pour qu'on ait des acteurs qui soient français et pas des acteurs qui soient en mal de croissance et qui se retrouvent dépassés par des acteurs qui, eux, grandissent plutôt bien sur d'autres territoires et sans nommer forcément les GAFAM, hein, parce que c'est pas forcément... Enfin, il y a eux, mais il y a aussi tout ce qui se passe du côté de la Chine. Voilà, exactement. La deuxième chose, c'est... alors, je pense que
sans vouloir dire que on est dans une situation qui porte cette opportunité-là, mais toute situation de contrainte développe aussi, accélère un certain nombre de transformations. Je pense que ce qui manque, c'est une meilleure articulation entre les pouvoirs publics, les acteurs privés, une meilleure façon de concevoir comment les acteurs privés peuvent venir soutenir un certain nombre de transformations auprès des acteurs publics. On a la chance à Lyon de travailler en proximité avec l'Académie de Lyon et le délégué au numérique, d'être en contact avec des grands comptes qui, au niveau de leur direction ressources humaines et RH et formation, ont envie de travailler avec nous. Donc ça va être... Ils ne sont pas encore au sein de EdTech Lyon, mais on a un bon espoir qu'ils nous rejoignent parce qu'on a besoin de transformer la formation avec eux. On a les pouvoirs publics, la métropole, qui est... aussi à Lyon, qui a la particularité de recouvrir les compétences du département et donc du coup de gérer les collèges sur la partie infrastructure et bâtiment. Et on a est-ce qu'ils vraiment sont vraiment friands d'innovation ou est-ce qu'ils disent qu'ils investissent dans le numérique comme beaucoup pour eux, parce que le numérique représente tout et rien, est-ce qu'ils aident vraiment les start-up en leur donnant des débouchés et puis en prenant leurs idées, en travaillant avec eux pour essayer d'être peut-être leur premier client? Est-ce qu'il y a une vraie belle connexion ou est-ce que c'est simplement on investit sur le numérique comme tout le monde le fait dans n'importe quelle région, quoi? Non, il y a plutôt une envie de coopérer pour construire des solutions qui répondent aux besoins du terrain. Que ce soit sur quand on discute avec des acteurs comme Pôle emploi ou avec des OPCO, ou que ce soit quand on discute avec la métropole et l'académie. L'académie a plutôt la responsabilité pédagogique et la métropole a plutôt la responsabilité infrastructure et équipement. Et le numérique, concernant en tout cas l'enseignement, a beaucoup, surtout été vu en termes d'équipement et pas en termes de contenu. Et si on avait considéré que... le numérique était à travailler et à traiter de la même manière que les manuels scolaires, par exemple, on n'en serait pas effectivement à avoir des tableaux blancs interactifs sur lesquels il n'y a rien et qui laissent les enseignants démunis. Enfin, c'est... Voilà, donc ce qui manque aussi, c'est la formation des enseignants, la formation... alors, quand je dis formation, EdTech Lyon n'est pas un organisme de formation, mais peut-être plutôt... des bains d'innovation, se dire bah tiens quand on arrive ici, on s'inspire, on rencontre, on découvre et ça fait naître des idées que l'on a soi et que l'on a envie de construire. Mais c'est ça. Est-ce que finalement la solution c'est pas ce maillage que vous essayez de construire parce que bah voilà il y a là ce que vous êtes en train d'écrire c'est des besoins et est-ce que finalement c'est mettre en lien avec justement des acteurs de formation qui sont existants peut-être et qui pourraient répondre à ces besoins-là. Donc, est-ce que c'est la solution, c'est de dire aux gens, voilà, on a des besoins, on met le doigt dessus et peut-être que bah, voilà, il y en aura qui ne sont pas encore adhérents et qui, en découvrant un peu ce qui se passe localement, bah, peut-être il y a des connexions à faire en gros. Quand tu parles de besoins, tu parles des entreprises ou tu parles des organismes de formation ? Je parle par exemple, là, ce que vous avez décrit en termes d'outils développés par les collectivités. Ouais. D'accord. De ce que disait Stéphane, les tableaux blancs. Donc, à remplir les cases, qui pourrait les remplir peut-être. La question, c'est qui peut acheter le contenu parce que qui peut remplir les startups et les entreprises EdTech ne manquent pas de solutions qui, très souvent, sont co-construites avec des enseignants, d'ailleurs. La question, c'est qui investit dans la valeur. Enfin, qui voilà. C'est toujours compliqué le numérique parce qu'on a l'impression que c'est gratuit et que ça coûte rien à faire. On n'a pas de problème à acheter. Pour déplacer la réflexion, on n'a pas de problème tous les étés à s'acheter la grille de jeux qu'on finit jamais, le bouquin pour aller sur la plage à faire les mots croisés là, et que l'on griffonne pendant deux fois deux heures et puis on a acheté ça à 6,50 € et on ne va jamais au bout des grilles. Par contre, acheter une application sur son smartphone qui coûte 1,50 € et qui va vous donner 4 heures de jeu, on trouve ça très cher. La valeur du numérique, elle est aujourd'hui dégradée fortement pour tous les contenus. Qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient de l'ordre de l'entertainment, qu'ils soient
de l'ordre, voilà, de oui, c'est ça, que ça soit sérieux ou ludique, ça a moins de valeur que le papier. Et ça, c'est une représentation qu'il est absolument nécessaire de transformer. Et pour qu'elle se transforme, il faut que les gens co-construisent la valeur, je pense. Il faut que les ingénieurs pédagogiques, les responsables formation, les équipes opérationnelles dans les entreprises, les enseignants, quelle que soit la cible à laquelle la solution est dédiée, ça me semble nécessaire qu'il y ait cette co-construction pour qu'on mesure la valeur des choses. Mais en même temps, il y a tout un bloc technologique qui doit se mailler avec le contenu. Donc c'est vrai que c'est pour ça que EdTechnion s'est créé, avec cette conviction très forte des fondateurs de se dire, quand on est sur le champ de l'éducatif et de la formation, ce n'est pas un champ dans lequel on est par hasard, parce qu'on a d'abord des convictions qui nous mettent parfois à cheval entre l'intérêt général et l'intérêt économique, mais en tout cas on sait que c'est dans la co-construction qu'on réussit à avancer, et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de créer ce projet qui est vraiment une organisation professionnelle qui va au-delà des entreprises EdTech. C'est aussi ce qu'on appelle la longue traîne avec la démarche qui consiste à dire, c'est vrai que la valorisation est plus basse, donc logiquement, comme les coûts baissent, si on reprend ses cours d'économie, on devrait avoir une population beaucoup plus importante, sauf que derrière, les gens sont un peu réservés, il y a un frein à l'entrée, il y a des technopathes, il y a des gens qui sont... Et donc, il y a tout un travail d'évangélisation. Je me rappelle dans une autre région, des gens qui avaient des tableaux blancs, parce qu'à un moment, sans doute, l'éducation nationale a investi dans des tableaux blancs interactifs, sauf qu'au bout d'un moment, comme personne n'avait trop compris à quoi ça servait, ils écrivaient dessus à l'ancienne. Il disait que c'est moins pratique et ça s'efface moins. Et donc, on voit sur un schéma qui est un peu absurde. Alors, on peut critiquer, parce que c'est critiquable, c'est l'argent public dépensé inutilement. Mais à côté de ça, on peut repenser sur les usages en se disant qu'au contraire, en créant des contenus interactifs, au lieu de les laisser dans les salles, on peut les capitaliser d'une façon ou d'une autre, recréer des outils qui sont agrégés automatiquement. Et dans ces cas-là, ça recrée de la valeur. Et on sort simplement du fait de dire « je dispense de la formation ». Au contraire, c'est cette réécriture qui est hyper intéressante justement avec EdTech Lyon de regrouper des talents, non pas pour faire chacun son petit business en son coin, mais pour réinventer les choses. Steve Jobs avec cette phrase « réinventer le monde ». Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et dans la formation, je trouve que ça a du sens. L'international… J'allais poser la question, Stéphane, en parlant de monde, mais je te laisse parler, autant pour moi. Non. C'est juste pour dire que nos pensées se rejoignent. Ouais. On est sur la même longueur. Alors, sur l'international, est-ce que finalement l'écosystème lyonnais est centré autour de Lyon et de la région lyonnaise, ou est-ce que finalement elle est prête à conquérir le monde et particulièrement la francophonie? Alors, on a déjà des acteurs qui sont présents même à l'international directement. Qui sont basés à Lyon. Effectivement, tu mets le doigt dessus dans ta fin de question, quand tu dis autour de la francophonie, la difficulté, elle est évidemment d'investir sur des territoires sur lesquels on a une capacité à produire du contenu dans la langue native. Donc, ça va dépendre beaucoup des modes de distribution des solutions. Mais oui, la question de l'international, elle est évidemment présente. On ne pense pas une solution pour son territoire. Ça n'a pas de sens, sauf quand on la fait sur mesure à la demande d'un client. Pas la plupart, mais une bonne partie des acteurs qui sont au sein de EdTech Lyon travaillent déjà sur l'international. Ouais. Ou en tout cas sur la partie francophone. Et EdTech, elle a l'ambition de mobiliser des outils, créer des réseaux. Pour l'instant, c'est dans le Alors, champ. Ouais, on a beaucoup d'ambitions, dans le sens, on a de multiples ambitions, on a de multiples envies, et à chaque fois qu'on se voit, on ouvre encore des portes nouvelles. Il y a des ambitions, on va dire, de l'ordre de l'expérimental, mais pas au sens one shot, mais il y a l'envie de se dire, on a par exemple une association qui a pour projet de créer un CFA qui a rejoint EdTech Lyon. Donc, c'est se dire, comment est-ce qu'on réfléchit à la question du numérique en même temps qu'on conçoit un outil pédagogique. Donc, c'est en ce sens-là que je parle d'expérimentation, c'est de dire, avec cette force qu'on a d'avoir des acteurs qui sont très complémentaires,
Comment est-ce que, autour d'un projet qui est naissant, une personne qui arrive va pouvoir aller chercher dans le réseau un expert sur de l'évaluation, sur de la data, sur du distanciel, sur des fondamentaux, des chercheurs sur les sciences cognitives. Enfin voilà, comment est-ce qu'il va pouvoir réfléchir à son outil en étant intégré à un écosystème complémentaire? On a aussi des réflexions qui se font autour de plateformes communes. Alors, on en est vraiment très loin, mais c'est de se dire, ben, il y a parfois des difficultés et des barrières à l'entrée sur des interfaces pour déposer des solutions, des Moodle, des LMS, des ça. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt parfois à mutualiser des socles techniques? Voilà, donc ça, c'est fait partie aussi des réflexions. Ce que fait par exemple Superprof, je crois, qui est dans l'éducation nationale, sans beaucoup de moyens, a réussi à faire des choses extraordinaires. Oui, clairement. On souhaite aussi porter un événement qui s'appelle le EdTech Day, qui devait avoir lieu le 9 avril et qui est reporté au 7 juillet, et qui se veut être un rendez-vous où on va interroger à la fois les bonnes pratiques et puis à la fois les grands enjeux à 5-10 ans pour essayer de faire un peu de prospective, se dire bah, vers quoi on va tous ensemble, vers quelle forme de société, vers quelle forme d'entreprise, vers quelle forme de lycée, de collège, comment, voilà, parce qu'en en se tirant un peu vers l'avant, en se projetant un peu, ben, peut-être qu'on peut donner des directions pour que les gens travaillent plus facilement ensemble, voilà. Et cet événement... Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet événement ? Des conférences, un showroom, un salon ? Alors non, ce n'est pas un salon. La réflexion, elle s'est faite plutôt en se disant il y a plein de choses qui se font en France. Qu'est-ce qui pourrait manquer ? Qu'est-ce qui serait intéressant à faire qui n'existe pas ? Donc, des salons, il y en a qui sont très performants, que ce soit le learning technologique, que ce soit les learning expéditions qu'il y a dans l'Ouest. Enfin, il y a énormément de choses qui se font. Learning Expo à Lyon, donc. Oui, aussi, tout à fait. Et l'idée, là, c'est plutôt de se centrer sur de la conférence, pas de stand. Donc, il y a 17 experts qui vont être réunis pendant une journée autour de 9 conférences et autour de... Donc, il va y avoir 2 tracks de conférences en parallèle. L'idée, c'est d'interroger, de regarder des succès, de dire, là, il y a des choses qui ont fonctionné et c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'elles ont fonctionné. Et puis, se projeter justement sur c'est quoi les grands enjeux de la formation. Voilà. Exactement. Très, très bonne démarche pour redonner une dimension stratégique à la formation. Exactement. Et pas simplement des ouvriers qui sont le nez devant le guidon quand on leur dit. Alors, c'est accessible à tout le monde, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est payant, combien ? C'est payant. C'est payant. Il y a 2 tarifs. Il y a un tarif pour les membres de la communauté Tech Lyon qui est un tarif préférentiel. Et le tarif est de 90 euros pour les non-adhérents, qui inclut l'accès à l'ensemble des conférences, qui inclut le déjeuner, bien sûr, et puis qui inclut aussi, et ça, on l'a conçu dès le départ dans le projet, des notes de synthèse qui vont permettre à chaque participant de repartir avec, puisqu'il y a des conférences en parallèle, et on va repartir avec ce qui s'est dit aussi dans l'autre salle et qu'on n'a pas pu entendre, et une synthèse de la journée. On est tout le temps dans cette logique-là, finalement, de se dire comment on peut renforcer les expertises, les acteurs et apprendre au fil est-ce, de... Est-ce que c'est filmé ? Il y a des replays après ? Non, alors pour l'instant, ce n'est pas filmé parce qu'on n'a pas de budget, cher Stéphane. Mais on t'accueillera avec plaisir, si absolument. Tu veux. Absolument, avec bonheur, vraiment. Un peu de captation. Donc, avec le choix. D'accord. Dans la continuité, pour devenir adhérent et tes clients, il y a des conditions quel est le tarif aussi Est-ce que n'importe qui peut venir? Est-ce qu'il y a des petites conditions? Les gens viennent. D'accord. Ça, c'est noté. Le préalable, effectivement, c'est d'avoir envie de participer et de construire et de réfléchir avec. Tech Lyon n'est pas un espace où on va adhérer, où on va avoir des services en retour. C'est pas une zone de prestation. C'est un espace d'investissement et où effectivement on participe à l'effort de guerre financier en adhérant avec une cotisation. Alors,
comme on a beaucoup d'acteurs différents, on a une grille de cotisation qui est un peu compliquée. Enfin, elle est pas compliquée, mais elle est multiple en fonction des interlocuteurs. Donc, il y a un bloc de cotisation pour les entreprises EdTech, et là, c'est fonction de leur chiffre d'affaires. Et puis, on a un accès qu'on a vraiment souhaité facile pour les acteurs terrain ou les personnes qui physiquement, enfin les personnes physiques, pardon, qui professionnellement veulent s'investir dans l'association. Donc, par exemple, pour un responsable formation ou pour un responsable pédagogique, ça serait 50 euros à l'année, et ce qui lui permet d'accéder à l'ensemble des matinales et de participer à l'ensemble des actions EdTech Lyon. Et puis de contribuer aussi en animant, pourquoi pas, une matinale sur les enjeux d'un RAF aujourd'hui, et ça serait vraiment passionnant à entendre. Et puis après, ben, selon que l'on ait une école primaire, un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur, une association professionnelle, ben, le tarif n'est pas le même. Il y a un tarif spécial aussi pour les laboratoires de recherche. Tout ça est disponible sur demande. Voilà. Les tarifs ne sont pas en ligne parce qu'on n'est pas dans cette posture de On est très content d'accueillir des nouveaux membres adhérents, mais on ne cherche pas absolument à monter à 250 membres. Mais en fait, quand on prend le premier tarif, alors hormis la FEN qui est un peu plus bas en termes de prix, mais c'est très très bien parce que c'est très accessible pour des gens qui veulent s'investir. Et quand on compare avec les autres associations, c'est très largement en deçà. Donc, et ça permet à un certain moment de réfléchir sur les signaux faibles, de se confronter et à un certain moment d'anticiper un ou deux ans. Donc, je trouve que franchement, ça vaut la peine si on y croit. Oui, c'est clair. On parlait tout à l'heure de l'international. Est-ce que la région et EdTech France a vocation à développer ses pépites? Je pense au CES, où certaines régions avaient fait beaucoup d'efforts pour être présents aux États-Unis, pour pitcher, pour ce qui a aidé. Dans la région de Lyon, il y avait VeryUp. Qui avait fait de très très belles choses avec Nicolas, qui est un très alors qui avait eu quelques difficultés au démarrage, mais qui a une certaine ténacité de grand patron. Voilà, c'est face à l'adversité qu'on peut voir. En tout cas, est-ce que c'est le CES vous aidez à l'international ou pas du tout? Alors, il y a effectivement un soutien fort de la région pour accompagner à l'international. EdTech Lyon ne s'est pas positionné en soutien sur des événements ou pour faciliter la présence de nos adhérents sur des événements à l'international. Il y a des agences qui existent déjà, il y a des relais directs. La région agit aussi beaucoup et très proactive et effectivement est accessible aux entrepreneurs pour pouvoir engager une démarche de ce type-là. Donc, en fait, on n'a pas voulu aller là où il y avait déjà des acteurs. On a préféré se positionner plutôt sur les enjeux propres de la filière plus que sur les enjeux de développement économique sur lesquels il y a des clusters, des actions de la région, des agences, la chambre de commerce. Enfin, il y a beaucoup de choses sur la partie outils pour l'entrepreneur et croissance économique. On a souhaité rester sur le champ qui n'était pas couvert aujourd'hui, qui est révolutionnons les questions de formation et d'éducation avec des outils numériques. Donc, plutôt une réflexion entre professionnels sur leur métier. Tout à l'heure, on parlait de la formation professionnelle continue. Une réforme, qu'est-ce que ça change de ton point de vue, le marché de la formation tourné vers les entreprises, qu'est-ce qui change pour toi? On a parlé déjà de l'éducation nationale maintenant. Oui, je pense que ce que ça change en profondeur, c'est effectivement, en se recentrant sur la question des compétences, c'est de pouvoir réfléchir à ne plus être dans une question de programme de formation, en se disant, j'ai un catalogue et je fais des formations à la prise de parole commerciale, le pitch prise de parole pour défendre mon produit en marketing, etc. En fait, la question, c'est la question de la compétence qui est liée à l'expression et à l'argumentaire et à l'oralité. Et en fait, quand on réfléchit à ces questions-là, on peut plus facilement isoler des solutions qui vont pouvoir se distribuer sur des thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques applicatives à un métier ou une circonstance, mais on va vraiment pouvoir retravailler sur ces questions de compétences-là avec ce que les EdTech adressent plutôt bien, puisque
quand une solution EdTech naît, elle naît autour d'une brique technologique qui va pouvoir faire monter, développer une compétence et développer, voilà. Et en fait, on la distribue sur différentes thématiques. Et du coup, en isolant la question des compétences, on va rendre plus facilement employables des collaborateurs en les faisant glisser d'une fonction à une autre ou en les amenant à plus facilement à transformer leur cœur de métier pour suivre les transfos que l'industrie va vivre, le monde des services et redonner de la valeur peut-être à de l'humain, à cette dimension non facilement remplaçable, non automatisable, qui sont plutôt ces soft skills-là, qui sont vraiment, pour le coup, sans doute au cœur des enjeux du XXIe siècle. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, parce que j'ai toujours tendance à ouvrir plusieurs tiroirs au petit bout. Non, la réponse était très bien. Oui, il me semble que cette réforme de la formation, elle vient de manière un peu dure et très souvent violente pour bon nombre d'acteurs, réinterroger l'essence qui est le recentrage sur l'individu. Et quand on pense à un certain nombre de solutions qui sont du coup finalement la valorisation de l'individu avec du learning entre pairs ou que ça soit de l'individualisation de formation avec de l'intelligence artificielle, quelques algos, enfin voilà, tout ça nous ramène à l'unité plus qu'au groupe collectif, quoi. Si un organisme de formation ou quelqu'un se dit « moi, j'aimerais bien me lancer dans un organisme de formation », tu lui dis « très bonne idée, bof » ou « absolument pas y aller ». Bon, on a des startups EdTech qui sont des organismes de formation. Hein. Est-ce qu'ils sont kamikazes ? Est-ce que le marché s'effondre ? Non, je crois pas que le marché s'effondre, je pense que le marché se transforme. Et il y a une jolie citation qui dit « quand le vent souffle, certains… » Je ne suis pas sûre de la citer comme il faut, mais « quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, d'autres construisent des moulins. » Je pense qu'il y a effectivement des opportunités nouvelles, mais ça nécessite de se transformer et ça nécessite… Alors du coup, la difficulté, c'est que ça peut être violent parce que la valeur, elle n'est pas dans les heures de formation ni dans les mètres carrés que l'on a en tant qu'organisme de formation avec des salles. La valeur, elle est ailleurs. Et effectivement, ça peut être un peu difficile de pivoter. Mais en même temps, ça se met au service, ça se remet au service de la formation au sens premier du terme. C'est-à-dire, comment est-ce que j'aide quelqu'un à grandir, à avoir ces compétences qui restent en phase avec les besoins de mon organisation, de ma société, et qui va être de plus en plus autonome aussi parce que c'est l'individu qui va avoir sans doute 10 métiers, 20 métiers différents. C'est toute la problématique du gratuit. On donne énormément de choses gratuitement, et les gens disent, mais enfin, on ne fait pas d'argent parce que c'est gratuit. Et donc, on voit bien que les gens qui raisonnent comme ça sont des gens du XXe siècle, et donc ceux qui ont fait des MOOC, etc., des choses, même si ce n'est pas le XXe siècle, les MOOC, hein, en 2008, on a la conscience, mais ça veut dire que ce sont des gens qui font un produit extraordinaire, massif, donc qui font de la data, etc., et qui finalement, au moment de monétiser, monétisent de façon un peu hypocrite, souvent en disant le label, on le fait payer assez cher de façon à ce qu'on trouve un peu 3 sous, alors qu'à côté de ça, il y a une pépine extraordinaire de dire il y a des contenus, il y a peut-être du e-conseil, il y a peut-être des formations en ligne, enfin, il y a plein de choses à offrir, donc créer un vrai écosystème. Sauf que le gratuit, c'est un produit d'appel où on forme gratuitement des gens et on se monétise à côté. Et c'est vraiment ces nouvelles façons de penser la monétisation qui fait que si on fait que du gratuit, effectivement, c'est un peu étrange, mais on fera peu d'argent, sauf si on vend des données. Mais ça, il faut les prévenir avant, c'est pour être compatible avec la RGPD. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a des nouveaux modèles qui se créent. Et si on reste sur les anciens modèles, on se dit on est un peu court. Alors que si on réinvente des nouveaux, aujourd'hui en France, il n'y a pas de gros acteurs sur le numérique. Et donc, en tout cas, les gros acteurs sont canal historique. Donc, tout est à faire. Moi, je trouve que c'est vraiment un Far West où vraiment, alors, il faut avoir, et je pense à Yuno, son patron, que j'adore et dont je trouve qu'il y a une vraie philosophie à la fois de rendre service socialement et puis derrière, de se déployer avec une scalabilité qui est la sienne. Après, ça marche, ça marche pas, il y a toujours une chance sur deux. Mais quand on a un peu de talent, il y a peut-être un peu plus qu'une chance sur deux. Mais ça veut dire, et ce sont vraiment des éléments très intéressants. Le seul élément, c'est qu'il ne faut pas avoir des experts comptables de la formation, parce qu'effectivement, des experts comptables n'ont jamais fait de la valeur dans une entreprise, quoi.
Oui, enfin, on les aime bien aussi, les experts comptables. Hein. On aime tout le monde ici. Il joue un rôle essentiel. Mais tu as, oui, je suis d'accord avec toi. On le voit d'ailleurs. On le voit d'ailleurs avec la situation qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui ont mis en gratuit des solutions qui étaient payantes. D'abord dans un élan de solidarité pour faciliter les relations que nous avons tous les uns avec les autres de manière distanciée pour le coup. J'étais en conversation avec une jeune start-up qui s'appelle Sequoia et qui travaille sur du micro-learning. Sa cible, c'est de faire du. Ben, il est en B2B pour soutenir des projets de formation. Et en fait, dans l'élan de mettre à disposition gratuitement des ressources, il a proposé gratuitement ses ressources aux acteurs de l'éducation et de l'enseignement. Et en fait, il me disait que. Ça lui avait permis de se rendre compte que quelques enseignants se sont emparés de sa solution et on en fait autre chose. Et il a découvert là un autre chemin auquel il ne s'attendait pas. Et c'est aussi ça, en fait, c'est de dire partager, c'est aussi donner des espaces d'innovation et ne pas figer les choses. Voilà. Et c'est aussi intéressant la période qu'on vit pour voir comment tout le monde s'empare des outils et qu'est-ce qu'ils en font. Et c'est vraiment, quand on pense transformation numérique, en fait, on doit penser usager et utilisateur. C'est l'utilisateur qui fait la transformation, ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas les industries. C'est bien parce qu'on a tous... On a tous choisi de regarder des programmes sur Internet et qu'on a été, pour beaucoup d'entre nous, sans doute des vilains qui avons téléchargé illégalement du contenu, que d'un seul coup... non, mais pas nous. Mais, bien sûr, je croyais qu'on dépensait. On connaît des gens qu'on connaît. Oui, des gens qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là, mais qui ont poussé massivement à ce qu'on se détourne de la télévision et qui a poussé la télévision à réinventer ses programmes et à venir sur le net et à réfléchir à qu'est-ce que les utilisateurs ont envie de regarder et non pas qu'est-ce que moi je prévois que les utilisateurs ont envie de regarder. C'est exactement pareil pour le cinéma. On s'aperçoit que le téléchargement illégal dans le cinéma, au lieu de lutter bêtement contre, on s'aperçoit qu'il est corrélé. Plus c'est téléchargé en amont, plus on va regarder le cinéma en physique. Et donc, au grand dam des gens qui disaient que Internet allait détruire le cinéma, c'est que plus ils développaient d'Internet et du streaming, plus le cinéma explosait en France. Et donc, en fait, ils étaient très embêtés parce que les modèles sont nouveaux. Si on regarde avec les anciennes lunettes et puis on se dit, c'est pas bien parce qu'ils téléchargent, mais au final, on fige et on n'a plus d'industrie. Ce qui est le cas de. Il ne reste plus beaucoup d'industrie dans le monde, hein, pour le dire sincèrement. Soit on se réinvente et dans ces cas, notre créativité a du sens. Très, très belle démarche. En tout cas, merci beaucoup. Si on veut. Alors, on rappelle la date peut-être du EdTech Day. Du EdTech Day. Alors, le EdTech Day, il a lieu le 7 juillet. À Lyon, il y a un site. C'est une seule journée. Peut-être que l'année prochaine, on pourra faire mieux, mais en tout cas, on commence une journée. Le site, c'est edtechday.net. Il y a un site EdTech Lyon aussi. Donc là, c'est edtech-lyon.fr. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter? Vous avez mes coordonnées. Si on a apprécié ta démarche, ta façon de penser, etc., ouais. On peut te suivre comment? Alors, numériquement, j'entends. Oui, mais de toute façon, je te rappelle que le confinement fait que tu pourrais même pas. Exactement, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a sur le site EdTech Lyon, il y a mes coordonnées directes en contact. Nous sommes sur les réseaux sociaux, donc il y a une page LinkedIn pour EdTech Lyon. Il y a mon profil que l'on peut mobiliser sans difficulté. J'essaye de répondre aux sollicitations sur LinkedIn, sans me tromper dans les coordonnées que je laisse à mes interlocuteurs. N'est-ce pas, Stéphane? Je ne sais pas de quoi on parle. C'est bien. Twitter, on a un compte Twitter. Voilà. Et puis, voilà, je serai ravie... de profiter de ce temps de confinement pour échanger sur Skype ou par téléphone avec quiconque. Voilà. Merci à tous les deux, merci à tous. Merci à vous deux, merci pour votre accueil. Merci.
Et très bonne continuation. À bientôt.